j'en profite pour vous expliquer la vraie raison pour laquelle on est ici. On est à Londres, la MIFA, avec L'Oréal Paris. On est encore dans la gare et il y a une chorale de Noël, donc je vais vous expliquer après pourquoi on est là. Alors on se retrouve pour mon premier vlog. On est à Londres pour une soirée spéciale avec Mademoiselle Luffy, qui est là en train d'essayer de se réchauffer. Bon, vu que j'ai pas pu vous donner mon ressenti en temps réel, étant donné que j'étais au courant de rien, je vais le faire de temps en temps en voix off. Donc ici, Enzo m'avait dit, en fait, avant de partir à Londres, qu'il voulait faire son premier vlog. Et donc naturellement, c'était sa justification pour pouvoir filmer toute la surprise. Et ça m'a pas du tout semblé étrange. Donc voilà, tranquillou, on attendait l'événement. Bon les amis, je vous parle vite fait parce que Luffy est parti à la réception. Donc j'en profite pour vous expliquer la vraie raison pour laquelle on est ici. En fait, ça fait 5 mois qu'on est en train de préparer avec L'Oréal Belgique une rencontre avec Eva Longoria pour qu'elle puisse lui donner son trophée. Plus le moment approche, plus je suis en stress et je peux pas le montrer, je peux pas lui dire que je suis en stress, donc c'est difficile à gérer. Là, je suis content que bientôt ça va se passer. Bon, et bien nous sommes arrivés à l'endroit où va se dérouler la soirée. C'est ici qu'a lieu l'événement L'Oréal. Et regardez, j'ai enfin trouvé mon piano. On est là pour découvrir ce soir toutes les nouveautés 2018 de L'Oréal Paris. Il va falloir s'organiser pour le ramener en Belgique. Je pense qu'il y a moyen. Voilà, Enzo est déjà en train de me voler plein de trucs. Non, je tourne pour t'aider à la réalisation. À ce moment-là, on m'avait dit qu'on prenait un petit truc à boire en attendant l'événement qui avait lieu genre 5-10 minutes après. Et quand je termine mon chocolat chaud, Enzo me dit « Écoute, t'es pas là pour ce que tu crois. Ce que tu vas voir, c'est l'aboutissement de 5 mois de négociations. » Je vous dis pas ma tête, malheureusement, il pouvait pas dégainer la caméra avant de me faire cette annonce. Ça aurait été bizarre et ça l'aurait un peu gâché. Et 2 secondes après, une dame vient nous chercher, on prend l'ascenseur et on arrive ici. Vas-y. C'est quoi ce lit là-bas ? Je suis pas bien. Marie-Lise, j'aime pas quand tu me tailles comme ça. Fine. Okay. Yeah. Look right over there. Mm-hmm. C'est quoi ce bordel ? Thank you. Hello. Hello. Hi. How are you? You can have a seat right here. That's fine. Okay, we'll be another, I would say, 5-10 minutes. Okay. Okay. Thank you. Casual chic, casual chic. En fait, tout le long, j'aurais pas de répéter casual chic parce que la veille, j'avais demandé à Marie-Lise ce qu'était le dress code et elle m'avait dit bon, casual chic. Et quand je suis arrivée là et que j'ai vu tout le monde en robe de soirée, j'étais hyper mal à l'aise en plus de pas savoir pourquoi j'étais là et de me poser mille et une questions. Les gars, je sais pas ce qui se passe. Mais... Les gars, je sais pas ce qui se passe. Enzo m'a dit qu'on n'était pas là pour les nouveautés L'Oréal. Il se passe un truc, je sais pas du tout pourquoi je suis là. Il y a des caméras, je ne sais pas ce que je fais ici. Et j'ai mon chef qui se barre. Donc c'est vraiment un mauvais plan là. Viens voir. Très bien. Tu fais ça très bien. I'm shaking. Oui, tout le monde me comprend ici. Ben ouais. Tu m'entendais ou pas? Non, pas maintenant. Vous allez me dire m'habiller chic. Oui, mais honnêtement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi chic. Bon, comment vous dire qu'à ce moment-là, je suis carrément sous le choc et je resterai bien là, sans rien dire, le temps de réaliser, mais je peux pas parce qu'il y a Eva, faut que je lui parle, donc total impro. You are so beautiful! You too! You have such a great channel! Thank you very much! And I'm following your footsteps, dude! Yeah! I'll have to snap you! Yeah! We have to snap! Where are you from? Belgium! Belgium! Yes! Oui! Toi aussi! Mais, un petit peu. You came from the US? Yeah!
Yes, I just came. I just arrived today. Oh, I know. I'm like very jet lagged. I'm very jet lagged. But I have a surprise for you. Really? Again? Yes. Another surprise. Mm-hmm. This is for you. Wow. On behalf of L'Oreal, we want to say congratulations on your 1 million subscribers to your channel. That's amazing. Thank you very much. Thank you. Congratulations. You're beautiful. Yes. 1 million plus ever. 1 million and one. And one. Welcome. Thank you for your congratulations. Time. That's such a big deal. Yes, it's been a long work. Yes, a lot of work, no? Oh my God. La surprise est avec moi. Elle est derrière moi. Mais on est avec Eva Longoria, les gars, c'est un truc de ouf. How you feeling? Je suis très fatiguée maintenant, yes. Mais je suis très très contente. Yes. Content. What are you doing in London? Today we have our global gift gala. Et elle m'a remis quelque chose, 1 million les gars, remis par Eva Longoria. S'il vous plaît, je suis choquée. I'm shocked. Yeah. Congratulations. Thank you very much. That's so great. Can I have? Oh, my phone's upstairs. I'm glad that you took some minutes for me. Of course. Thank you very much. Yes, I didn't know. I thought I came to know, like, new products reveal for 2018. I'm the reveal. You guys, I'm here with Luffy. Hi, from Belgium. From Belgium. Tell them where they can subscribe and follow you. Ah, it's Luffy Makes You Up. Look at what she got. Eva. 1 million subscribers. Thank you very much. You're welcome. Bon, ça y est, on vient de rentrer à l'hôtel. C'était une journée d'émotion. Franchement, je suis sous le choc là, je sais pas quoi dire, les gars. C'est un truc de ouf quoi. Pas une seule seconde, tu t'en es douté. Mais pas une seule seconde. Enfin, ils m'ont tout expliqué là, tout ce qu'ils ont fait depuis 5 mois. L'Oréal Belgique qui contactait L'Oréal Paris. Toi qui contactais Google pour qu'ils. Enfin, YouTube pour qu'ils te donnent mon trophée à l'avance. Donc j'ai dû contacter Google et pour leur dire surtout n'envoyez pas le colis ici, faut l'envoyer ailleurs. Donc c'était un bordel. Et puis, toi. Entre temps, je voulais commander mon trophée et quand je mettais le code de réservation du trophée, qu'il faut entrer dans le site de YouTube pour le récupérer, on me disait. Code déjà utilisé, je sais quoi ce bordel, j'aurais pas mon trophée d'un million. Et donc je devais contacter YouTube pour dire qu'il passe les gars. Mais puis je me suis dit bon, peut-être que Maybelline me tidait, ils vont me le donner en surprise. Puis ils me l'ont pas donné, Maybelline me tidait. Donc je me suis dit mais what the fuck. C'est vraiment trop ouf. Et quand tu me dis on n'est pas là pour ça, je me dis dans ma tête tout qui se passe. Et je me dis quoi, qu'est-ce qu'on va faire. Oui, parce que quand on est arrivé dans l'hôtel d'Eva. Oui. Deva, c'est ma pote. On a dû lui annoncer qu'il n'y avait pas de soirée, parce que ça n'avait plus aucun sens. Non. Donc je lui ai dit, voilà, t'es pas ici pour la soirée, il y a autre chose. Puis, il y a l'agent Deva qui arrive, qui nous amène dans une loge où il y a plein de caméras, plein de journalistes. Le film, ça nous demande quoi? Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire en passant en direct sur CNN ou quoi? Et si je comprenais rien, les gars, j'entends, hey, je me retourne, je me dis, je connais cette personne. Je me dis mais putain mais oui je la connais forcément c'est Eva Longoria. Et je me dis qu'au final ils ont gardé le secret pendant 5 mois et que je me suis doutée mais de rien du tout. Mais franchement Eva elle est super sympa. Elle a snappé avec moi, enfin un genre trop ouf quoi. Merci. C'est impressionnant. Avec plaisir. Et merci Marie-Lise et L'Oréal Belgique, franchement c'est une surprise de ouf quoi. Mon trophée du million remis par Eva Longoria. J'aurais jamais imaginé de ma life. Tu sais moi? Ouais, vas-y. Donc voilà notre soirée. C'était trop bien. Et merci à vous parce que le million il serait pas là sans vous. Encore bientôt c'est notre chaîne, mais. Bientôt c'est notre chaîne, le million. Allez vous abonner de ouf. Et évidemment, un merci de ouf à L'Oréal Belgique qui a coordonné tout ça, à Marie-Lise. Merci à L'Oréal Paris aussi qui a aidé L'Oréal Belgique à organiser tout ça. Et merci à la meilleure petite biche. J'espère que t'allais dire petite bite. Ça m'a stressé de ouf. Ah bah oui. Je suis tellement fatiguée. Tu peux relâcher la pression, c'est fait maintenant. Bon allez, on va dormir. Bisous.